Happy birthday to you. Happy birthday, dear. <laughs> Happy birthday to you. <laughs> Salut Alter, comment vas-tu Bien, même euh, très bien, et toi Yann Eh bien ma foi, pas mal du tout. En fait, tout allait bien jusqu'à ce que je me penche sur l'histoire d'une étrange chaîne YouTube dont le contenu est aussi mystérieux que le contenant. En effet, aujourd'hui nous allons voyager au travers du contenu d'une chaîne bien étrange. Et je pense qu'il est préférable de vous prévenir à l'avance, mais à la toute fin de cette vidéo, ne comptez pas avoir de réponse aux questions que vous posez. Tout simplement parce que cette chaîne est encore en cours de développement, bien qu'elle soit actuellement déjà très complexe. Et pour écrire notre vidéo, nous nous sommes basés sur la vidéo d'une chaîne d'un youtubeur nommé Gooseboose, ainsi qu'au travers de threads trouvés sur des Reddit et sur des Discords spécifiquement dédiés. À ce sujet. Maintenant, il est temps pour vous et pour nous d'accrocher nos ceintures. Bienvenue dans le monde de Gilbert Garfield. Alors, Gilbert Garfield, c'est ce personnage que vous voyez actuellement en image. Et en le voyant là tel quel, perso, moi je ne peux pas empêcher de me dire qu'il me rappelle un personnage de bande dessinée que j'ai déjà vu quelque part. Le dénommé Garfield. Alors, si vous ne connaissez pas Garfield, hein, sachez que c'est un personnage de bande dessinée apparu pour la première fois en 1976 sous le coup de crayon du dessinateur et de son créateur Jim Davis. Sa bande dessinée, au fur et à mesure du temps, va s'étoffer et plusieurs autres personnages vont apparaître aux côtés de ce personnage principal nommé Garfield. Et sur la chaîne YouTube de Gilbert Garfield, on trouve d'ailleurs deux des personnages originellement présents dans la bande dessinée originale de Garfield. Il s'agit en effet de Odie, un chien un peu bébête hein, qui dessert les intérêts de Garfield. Et les deux sont les animaux de compagnie d'un certain dénommé John, et tous habitent sous le toit de ce dernier. Mais quand on regarde de plus près la face de ce Gilbert Garfield, on peut remarquer que son visage n'est pas tout à fait à l'égal de son homologue. Il semble être comme mélangé avec autre chose. En fait, avec un certain personnage nommé Gilbert.

Et vous l'avez sans doute déjà entendu parler, puisqu'il incarne la voix du perroquet dans le film de Disney Aladdin. Boy, Jafar's gonna be happy to see you. Excellent work, Iago. Ah, go on. They're really, on a scale of one to ten, that you are an eleven. Oh, Jafar, you're too kind. I'm embarrassed. I'm blushing. Ce chien dans du film Dr. Dolittle? Yes, I am. I can always tell when a real doctor brings in an animal. They uh. always like to do a little amateur diagnosis. Could you tell him to get away from my butt if you don't mind? I did go to veterinary school for five years. Is it just me or is he uh hovering around my butt a lot? And unlike an MD, my patient cannot tell me where it hurts. Listen seriously, could you tell him my butt is great? Aux États-Unis, il faut savoir que cet acteur est une star plutôt incontournable qui pouvait se permettre des choses que les autres ne pouvaient pas se permettre comme ici par exemple où il va carrément traiter Trump de fureur. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Mais ce monsieur nous a quitté le 12 avril 2022 et n'est donc plus de ce monde aujourd'hui. Paix à son âme. Toutefois, il va renaître de ses cendres au travers de cette chaîne étrange qu'est Gilbert Garfield il est temps pour nous maintenant de vous la présenter. Ce que vous venez de voir là est le tout premier épisode présent sur cette chaîne mystérieuse. Nous y voyons un personnage dont on ne connaît pas l'identité, parti à la recherche d'une vieille cassette VHS, contenant à fortiori d'étranges épisodes, des lost footage de Garfield. Cette VHS, entre autres, nous indiquera deux choses importantes. La première chose qui nous est indiquée de manière évidente, c'est qu'effectivement sur cette cassette, il s'agit d'un crossover entre Gilbert Gottfried, l'acteur, et notre personnage de dessin animé, Garfield. D'où la face vraiment étrange de ce personnage que l'on retrouve sur la VHS. L'autre point, c'est la date de création de ces épisodes. Ou en tout cas de la création de cette cassette VHS. Le 13 septembre 1987. Et bien entendu, comme dans tout bon mystère qu'il se doit, lorsqu'une date est présente, il nous faut essayer de savoir ou de comprendre si elle a un lien avec quelque chose de réel. Mais à la date du 13 septembre 1987, Officiellement, le seul épisode de Carfield qu'il soit sorti fut celui-ci, et aucun indice apparent ne le lie à notre histoire. Passons à la suite. Ouais, en effet, passons à la suite. Car là où ça devient très tordu, c'est lorsque l'on s'intéresse au contenu de la VHS. Cette dernière contient en effet 5 épisodes, ou plutôt 5 clips. Tiré des épisodes de Gilbert Garfield. Et bien entendu, ces épisodes, notre personnage qui a ramassé cette VHS les a transposés sur la chaîne YouTube. Ces petits clips sont courts, mais particulièrement denses en information. Et également, au passage, plutôt troublant. Voici, par exemple, dans son entièreté, le clip numéro 1. Dans ce premier épisode, nous découvrons notre personnage principal, Gilbert Garfield, dont la voix un petit peu désagréable, un petit peu raillarde hein, ressemble effectivement à celle de notre acteur, hein, Gilbert Gottfried. Ce dernier nous fait un monologue dans son salon parlant d'un personnage nommé Boris Karloff. Un autre acteur américain qui avait à son époque incarné Frankenstein, qui apparemment avait expliqué au travers de l'un de ses films que la lasagne avait été créée par une vieille grand-mère italienne. Sauf que la grand-mère, n'appréciant pas son plat, décida de couvrir sa lasagne avec de la mozzarella, faisant ainsi ressembler son plat à de la peau fondue de caucasien. Alors ça, c'est les mots littéralement employés dans les clips que l'on vient de voir. Mais ça mon cher, ce n'est que l'histoire que l'on entend en fond sonore. On entend Gilbert Garfield qui parle, qui parle, qui parle. Mais euh, c'est pas l'histoire qui est poussée au premier plan. L'histoire qui vient au premier plan est celle que l'on voit en image et cette histoire nous dit tout autre chose. Durant son monologue, le chien Odie fera son entrée avant de se faire tirer une balle dans la tête par derrière. Puis un extraterrestre parlant italien viendra arrêter Gilbert lui demandant de passer les menottes à ses pattes. Les deux partiront ensuite, dans une secoupe volante qui, semble-t-il, d'un coup de rayon laser, détruira la maison avant que l'épisode ne se termine sur l'image de John allongé dans son lit, mort, ou plutôt assassiné. I am dans le second épisode, Gilbert, alors à bord de la secoupe de notre extraterrestre, continuera son monologue sur la cuisine italienne. Mais cette fois-ci en faisant référence à un autre acteur américain, Chico Marx. L'alien lui indiquera alors qu'ils arriveront bientôt dans une prison spatiale, puis touchera le visage de Gilbert avant que ce dernier ne lui lâche une sorte de enflammé en pleine face, tuant ainsi l'extraterrestre. Gilbert terminera l'épisode sur un monologue assez tordu, écoutez plus tôt. This dead area reminds me of the golden age of Hollywood, where you could stick anything up your ass and no one would ask the wiser question, as long as the studio heads had your back. Le troisième épisode débute dans l'espace. On y voit le vaisseau spatial ainsi que le corps de l'alien éjecté dans le vide stellaire. Gilbert tiendra ensuite entre ses mains une page sur laquelle nous pouvons lire. Le crime aura lieu sur Terre le 11 juin 1989. Gilbert et Audi vont tuer leur propriétaire, John. Alors à ce point, il nous ouvre une toute petite aparté. Au début de ce clip numéro 2, nous avons vu l'image d'un personnage en train de pratiquer le yoga. Puis une sorte de glitch brouille l'introduction du clip. Mais si on fait une petite pause sur ce glitch, on peut voir qu'une date apparaît, le 13 septembre 1987. Mais ici, le point qu'il faut relever, c'est que les dates sont importantes. Car le premier épisode vidéo à être sorti de Garfield and Friends, qui est l'épisode animé de la première série de Garfield sur la chaîne CBS, est sorti lui le 17 septembre 1988 soit une année après la création des clips que l'on est en train de voir concernant Gilbert Garfield. Donc, Gilbert, tel qu'on le connaît, tel qu'on le voit là, aurait été créé avant la série Garfield. Et je parle ici de la série animée, pas de la bande dessinée. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Car... Sur l'avis de recherche que l'on peut voir dans le clip numéro 3, dont il est annoté le texte est au futur, on y apprend que le meurtre de John aura lieu deux années après la création du clip de Gilbert Garfield. Et que les personnages ayant tué John sont à la fois Gilbert Garfield et Audi. Plus étrange encore, dans la suite de l'épisode, il fera même référence au film Minority Report, lui sorti en 2002 soit largement dans le futur. Alors là, en effet, il y a quand même quelque chose qui est à relever, c'est qu'effectivement, Gilbert Garfield semble avoir un don pour voir dans le futur. Et ceci n'est sans doute pas dû au hasard, puisque nous verrons que Gilbert possède deux yeux supplémentaires, un sur le front, pour lire le futur et un dans le popotin pour lire le passé. Puis une autre référence sera faite au cours de l'épisode via cette image qui n'est autre qu'une photo de l'empereur Showa, aussi connu sous le nom de Hirohito. Dans la suite de l'épisode, Gilbert va se gaver en utilisant une machine à viande hachée avant que cela n'arrive. Je vous laisse regarder. On pourra découvrir dans ce passage final, dans lequel nous voyons Gilbert manger la terre, qu'un autre message se trouvait inscrit sur la vie de recherche que nous avons vu plus tôt. Si cette anomalie continue, là, il y a quelque chose d'écrit qu'on ne peut pas voir, Planète Terre deviendra un trou vide. Alors ici, je pense que ce fameux trou vide pourrait être un, un, un trou noir, tout simplement. Mais là, grâce à cela, nous apprenons donc deux choses supplémentaires. C'est que d'une part, euh, Gilbert Garfield est en fait une, une anomalie, et d'autre part, que s'il continue à faire ce qu'il fait, eh bien la Terre va tout simplement devenir un trou vide, c'est-à-dire va disparaître. Ce qui apparemment semble être le cas quand on regarde le clip. Alors, moi, ce que je pense, hein, c'est que si on jette euh, un petit coup d'œil sur, sur, sur l'autre face du bout de papier, en fait, le mot qu'on ne voit pas euh, nous indique que c'est si Gilbert Garfield continue de grossir, alors la planète Terre deviendra un trou vide, ou disparaîtra. Quoi. Mais bon, soit, passons maintenant au quatrième clip. Ce dernier se passe, lui, contrairement aux autres, loin, loin, loin dans le passé, au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Gilbert Garfield, qui venait précédemment d'être aspiré par ce trou vide créé à la place de la Terre, se voit rejeté dans un autre espace-temps, en Égypte, où, bizarrement, il va littéralement vomir sa viande lâchée pour fabriquer une pyramide. Ne demandez pas pourquoi, c'est l'histoire. Il y deviendra alors pharaon. Puis un certain Moïse se présentera à lui, les deux auront une courte conversation avant que ceci n'arrive. Humor? At a time like this, brother? Is it not too soon? When you perceive time non linearly, there is no such thing as too soon or too late. There are only two words. Baked Zadie! I must go! On comprend soudainement ici que burgerfield est une sorte de créature intemporelle qui voit grâce à ses yeux supplémentaires dont on a parlé plus tôt. Il s'exclamera soudainement Baked Ziti, les Ziti étant une sorte de pâte italienne, avant de s'envoler avec empressement. Puis un dieu égyptien, Ra, lui dira ⁇ Joins-moi dans le soleil, Pharaon, le cycle commence ⁇ Le tout se terminera par cette image. Alors cette image, on dirait qu'elle présente une adresse et, comme je suis curieux, eh bien j'ai été voir si elle existait. Mais ça n'a pas été concluant. En tout cas, pas tout de suite, vous verrez plus tard avec un petit peu plus de recherche, j'ai réussi à trouver quelque chose d'assez pertinent. Mais ceci euh, va nous amener tranquillement au cinquième clip présent sur la VHS que l'on retrouve sur la chaîne YouTube. Et ce clip-là, on va se faire un petit plaisir, on va vous le laisser en entier. Bon visionnage. Why can't I stop Why can't I stop seeing? Just, Just poke, poke my, my eyes out eyes. like you're Moe <laughs> Hey Mondays, you spaghetti John Orbeck and Jack Benny Shift Odie's body to Abu <laughs> Dhabi Great act, what do you call it on Gilbert? It's Gilbert Garfield? Yeah, I'm Gilbert Alors déjà, cet épisode nous montre quelque chose. Bien que ce soit le dernier des cinq clips présents, en tout cas sur la chaîne YouTube, sur la VHS on ne peut pas le savoir, il se peut qu'en fait, dans la chronologie des événements, ce dernier épisode ne soit pas tant le dernier que cela. Alors sur ce point, en effet, je suis d'accord avec toi, parce que si on regarde bien, on peut voir que dans ce clip, ce cinquième clip, la maison de John, elle, est encore sur pied. Et que Gilbert Garfield ne l'a pas encore quittée. Sauf que là, notre héros, entre guillemets, semble littéralement perdre les pédales quand il crie sur John cette phrase indiquant qu'il ne peut pas s'empêcher de voir des choses. Et là je pense que quand il parle de voir des choses, il parle essentiellement de sa clairvoyance hein, avec ses yeux, celui sur le front et celui dans le, son arrière-train. Et c'est ça qui lui fait perdre les pédales, avant que le générique de fin ne conclue l'ensemble du clip numéro 5. Mais une autre image, une dernière image, va nous transporter vers de nouveaux horizons ou en tout cas nous ouvrir une nouvelle porte en nous présentant un mot Pharaoné. Retenez bien ce mot, il va revenir plus tard. Le YouTuber Gooseboose a fait une très grosse analyse concernant ce clip numéro 5. Il relèvera plusieurs points pertinents, intéressants, tandis que d'autres à nos yeux sont restés plutôt futile. Voici quelques points pertinents de son analyse, couplés avec nos propres points de vue. Tout d'abord, et je pense que c'est le plus important, il y a un, un paradoxe en ce qui concerne la chronologie des événements. Sur l'avis de recherche à l'encontre de Gilbert Garfield, il est indiqué que celui-ci va commettre un meurtre, celui de John, le 11 juillet 1989. Sauf que l'épisode durant lequel le meurtre a lieu est sorti, lui, le 13 septembre 1987, soit deux ans avant. Donc, Comment un meurtre qui devrait avoir lieu dans le futur peut lui se dérouler dans le passé À cela, nous n'avons pas de réponse, mais il y a bien un paradoxe. Mais ce n'est pas le seul point que l'on retrouve. Si l'on observe bien, tout au début du clip numéro 2, nous avons deux indices mystérieux qui nous montrent que ce que l'on regarde est plein de trous, et que ce que nous regardons n'est qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Alors en effet. En bas à gauche, il est indiqué quelque chose d'important. Trois lettres. TRT 21 37 15 Mais, euh, mais Yann, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que tu peux nous l'expliquer TRT, dans le domaine de la vidéo, ça veut dire Total Running Time. Et cela correspond au temps total que dure euh, une bande vidéo en cours. Ici, par exemple, il nous est indiqué qu'elle dure un peu plus de 21 minutes. Sauf que sur la chaîne YouTube, dans le clip, nous n'en voyons que 53 secondes. Mais ce n'est pas tout il nous est également indiqué que ce que nous regardons n'est pas l'épisode 1, l'épisode 2, 3, 4. Non, c'est l'épisode 14. Intitulé Garfield et Odie tuent John. Sauf que, encore une fois, au travers de YouTube, nous n'avons le droit qu'à 5 petits clips. On est très loin d'atteindre les 14 épisodes. Et bien entendu, aucun de ces clips ne semble représenter un épisode dans son ensemble. Et en effet, ça c'est quand même troublant parce que ça veut dire qu'il nous manque énormément d'éléments pour comprendre. Euh l'ensemble de cette histoire. Toutefois, il y a une chose à laquelle nous ne pouvons échapper en dehors bien entendu des parties manquantes que l'on ne retrouvera sûrement jamais. Eh bien c'est que au travers de Gilbert Garfield deux pays en particulier sont mis en avant. D'un côté, nous avons l'Italie avec toutes ces anecdotes hein, concernant les fameuses pâtes italiennes ou leurs sauces que nous compte Gilbert Garfield en en parlant inlassablement. et de l'autre, eh bien, euh, il y a l'Égypte. Pays qui semble être en lien direct avec notre fameux personnage, puisqu'il y deviendra Pharaon. Mais il est un terme, un mot qui va lier ces deux pays. Et ce mot, nous l'avons vu un peu plus tôt, c'est pharaoné. Car en effet, le mot pharaoné signifie en italien pharaon, tout simplement. Ah oui, donc là, là on pourrait dire en quelque sorte que, que, que la boucle est bouclée. Hein. En effet, on pourrait le dire. Mais ces cinq petits clips euh, retrouvés sur la chaîne. Euh, Gilbert Garfield ne sont en fait qu'un point de départ. Le point d'entrée de ce qui semble être un ARG ou un jeu de réalité alternatif, un concept que vous commencez à connaître si vous suivez ma chaîne, et qui va nous mener loin, très loin. C'est donc à partir de ce moment-là que nous prenons notre envol pour découvrir de nouveaux mystères. Bien plus troublants, vous allez voir, que ce que nous vous avons fait découvrir jusqu'à présent. À partir de ce chapitre, nous devons vous prévenir que ça va peut-être partir un petit peu en roue libre, voire partir un peu dans tous les sens. Tout à fait, car c'est à partir d'ici, en commençant à faire nos premiers pas en dehors de ces fameux 5 clips présents sur la chaîne Gilbert Garfield, que nous commençons à ouvrir de multiples portes. Quand on dit multiple, hein, vous allez voir, c'est multiple. Et bien entendu, qui dit de multiples portes, dit également de multiples indices menant à de multiples spéculations, ce dont nous serons bien entendu les témoins. Mais tout d'abord, il nous faut faire un petit point sur les vidéos restantes sur la chaîne Gilbert Garfield, car c'est elles qui vont nous montrer que les 5 clips que nous avons vus jusqu'à présent ne sont en fait que la surface d'une énigme encore plus vaste. Dans la suite des vidéos que nous verrons sur cette chaîne YouTube, nous découvrirons un petit peu plus la vie du personnage qui a mis la main sur ces VHS. Et dont, il faut le souligner, nous ne connaissons pas encore ni le nom ni le prénom. En tout cas, on ne connaît pas son identité. On sait juste que c'est l'ami d'un personnage qui s'appelle Austin. Dont je ne vous ai pas encore parlé, mais grosso modo, Austin, c'est lui qui au début avait envoyé... Euh notre personnage d'être dans la chaîne YouTube aller chercher ses cassettes VHS. Et il nous avouera une chose, c'est que depuis qu'il travaille sur la restauration de ses VHS, il est en proie à des cauchemars, le menant à devoir carrément arrêter son travail de restauration. Puis viendra le tour de la vidéo No Longer Thirsty qui signifie euh, que il elle ou on n'a plus soif. Dans les images que nous verrons, plusieurs indices nous seront donnés, comme le message "Tu as perdu ton appétit", deux monuments ainsi qu'une statue romaine, une image pointant ce qui ressemblerait à un pied de vigne où il est écrit Allez, A. Ah. Le visage de Gilbert Gottfried, l'acteur, superposé sur une sculpture de l'empereur Augustin. Une carte, ou plutôt un morceau de carte plutôt flou, qui, on le découvrira plus tard, n'est autre qu'une vieille carte de la vallée de Napa en Californie. Mais surtout, et c'est le plus important, on découvre un nom de domaine que l'on voit rapidement tronqué en fin de vidéo. Nous reviendrons sur ce nom de domaine un peu plus tard. Hey, hey. What you doing? <laughs> Dans la vidéo suivante, nous suivons la personne ayant travaillé sur la VHS. Quelqu'un vient frapper à sa porte, mais lorsqu'il ouvre, personne ne semble présent. Puis il entend des bruits de pas, court dans la direction des bruits, descend un étage pour se retrouver à son propre étage devant sa propre porte. Notre restaurateur de vidéo mettra ensuite en ligne celle-ci. Une vidéo dans laquelle il nous explique qu'il a demandé à son beau-père d'aller à l'adresse indiquée à la toute fin du clip numéro 4. Par ailleurs, on voit en tout début de vidéo une vue plongeant directement vers l'adresse en question. Et comme je suis un petit peu beaucoup curieux, j'ai pris ce petit passage pour essayer de le retrouver sur Google Maps. Et je l'ai retrouvé. On voit que l'endroit se trouve au coin de Kelly Glen Line et East Napa Street. Par contre, on voit également qu'il s'agit bel et bien du lot numéro 1534. Comme quoi, dans l'adresse qui nous était donnée ici, tout n'était pas si faux. Le beau-père va errer un temps sur la propriété à la recherche de quelque indice que ce soit. Puis il tombera sur une boîte contenant une paire assez neuve de chaussures pour enfants, des blocs géométriques en bois ainsi qu'une carte SD. Nous allons découvrir le contenu de cette carte dans la courte vidéo qui suivra. Elle contient deux fichiers, un en format texte et un avec l'extension MFR, qui est une extension que l'on peut ouvrir avec le logiciel Autodesk Moldflow Communicator. Ça, c'est ce que j'ai lu sur internet, hein, si je ne me suis pas trompé, et qui contient, d'après ce que j'ai compris, en général des éléments 3D. Le format texte, quant à lui, nous donnera une image de la face de Gilbert Garfield, tandis que l'autre fichier, en format .mfr, ne pourra pas être ouvert. Alors, il ne pourra pas être ouvert, pour l'instant, en tout cas, jusqu'à un certain point. Oui, tu as raison, car dans la vidéo qui nous présente le contenu de la carte SD, un indice nous est clairement donné, voire presque surligné, avec ces chiffres. Plus 1, moins 1, plus 1. Et quelqu'un sur Twitter eut vite fait de comprendre de quoi il s'agissait. Alors explique-nous ça un petit peu, Alter. Eh bien voici l'explication. Si on prend euh, cette extension, point .mfr, que l'on applique plus 1 à la première lettre, M, alors on obtient un N. Si on applique moins 1 à la deuxième lettre, F, alors on obtient un E. Et enfin, si on applique plus 1, à la troisième lettre, R, alors on obtient un S, ce qui nous donne l'extension NES.NES. Et les formats .NES sont des extensions utilisées pour l'émulation de ROM, souvent en format NES pour Nintendo Entertainment System. Ce qui veut dire qu'en fait, l'autre fichier, pas le fichier texte, hein, le fichier qui était à la base d'un fichier .mfr, contient en fait un jeu vidéo. Mais avant d'aller plus loin... Il nous faut faire une petite aparté pour vous présenter un autre aspect du mystère de Gilbert Garfield. Je veux parler ici de son compte Twitter car au travers de celui-ci, il va se dérouler pas mal de choses, pas mal de petits de petits échanges entre autres. Comme par exemple ici où l'on voit qu'une personne, Magical Witch Luna a aidé le propriétaire du compte Twitter à trouver la solution concernant le fameux et ce dernier en informera par ailleurs sa communauté. Merci de votre aide. Je pense que ça marche. Je dois faire les enregistrements et comprendre comment ça fonctionne. Mais dès que j'ai une bonne vidéo du jeu, je vous la mets sur la chaîne. Et nous arrivons ici à une très simple conclusion, hein, assez facile, hein, c'est qu'en fait, euh, la personne qui a créé ce compte Twitter est la même personne qui a créé cette fameuse chaîne YouTube, qui est la même personne qui a trouvé cette fameuse VHS. Voilà, maintenant voyons voir un peu ce que contient ce jeu vidéo. Ce jeu vidéo sur la chaîne YouTube va prendre une place quand même assez importante puisqu'il va se diviser en 6 épisodes distincts. Ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode nous présente un tableau et que chaque tableau représente un jour de la semaine. Alors je sais, dans la semaine, il y a 7 jours, ici nous avons 6 épisodes, c'est parce que le week-end, donc le samedi dimanche, et pour le jeu en fait un seul et même épisode. Mais il est un petit détail que l'on vous a gardé de côté. Qui était dans la vidéo No Longer Thirsty, dans laquelle apparaissaient brièvement ces phrases. Mais tu n'aimes pas les lundis. Suivi de cette phrase-ci. Mais tu détestes les lundis également. Avec enfin ce tout dernier screen. Comme s'il n'y avait pas de mardi. Et comme le fameux jeu vidéo est divisé en jours de la semaine, j'imagine qu'on est facilement droit de penser qu'il y a un lien entre que les éléments que l'on trouve dans la vidéo No Longer Thirsty et le jeu vidéo en lui-même. Mais personnellement, je pense qu'effectivement, il y a un lien et... On vous en parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant Yann, dis-nous que contient ce fameux jeu Alors tout d'abord, il est intéressant de voir que ce jeu euh, se décompose en trois styles distincts. Le premier est un style à la Mario. Le second est plutôt un Zelda-like. Et le troisième, un Doom-like. Ce qui montre en, en fait qu'en avançant dans le jeu... Euh, nous passons d'un plan 2D où l'évolution se fait de manière horizontale, à un plan 2D en vue de dessus où l'évolution se fait dans toutes les directions, à un plan 3D où l'évolution se fait dans des couloirs. Et il faut quand même l'avouer, mais il euh, y a bien des passages qu'on ne va pas vous montrer, car beaucoup de textes dans ce jeu sont quand même assez crus. Hein, on y parle de sexualité telle qu'elle. Et il y a pas mal de gros mots. Je pense pas que YouTube apprécie vraiment cela. Mais bon, juste pour vous donner un petit exemple, voici ce que donne l'introduction d'un des tableaux. Et le chien, bel chat, et le chat bel garçon, et le garçon bel chien. Amen, amen. Voilà donc juste un tout petit exemple de ce que l'on peut trouver. Et je peux vous assurer que le reste n'est pas mieux. Mais en regardant ce jeu, on découvre deux choses très intéressantes. La première est la narration, qui nous permet de comprendre. Euh que Gilbert Garfield est bel et bien une anomalie, puisque ça nous l'est indiqué plusieurs fois au travers des textes. Ce dernier est une sorte d'abomination génétique, dérivée directement de l'acteur Gilbert Gottfried. Et c'est même plus précisément euh, vers cette conclusion que veut nous amener le jeu. Il souhaite nous faire comprendre d'où vient Gilbert Garfield, comment il est né, comment il a été créé. Et par ailleurs, point intéressant, on découvrira qu'en fait, ce dernier a été créé un lundi, comme par hasard, ce fameux jour tant détesté. Mais il y a d'autres choses extrêmement intéressantes à côté de cela, euh, comme ici, où le mot og-go sera lui utilisé plus tard. Il sera en effet utilisé comme un password, comme un mot de passe dans un site internet. Mais on va voir ça un peu plus tard. Retenez juste que le mot de passe og-go se trouve en fait dans ce jeu vidéo. Ah oui, j'ai dit euh, og-go, enfin go", bon, c'est euh, og-go. Puis il y a également la présence de tous ces chiffres romains. Tous ces chiffres indiquant très certainement des dates. Mais nous n'en avons pas encore terminé avec les vidéos présentes sur la chaîne YouTube, car à l'heure où j'écris ces lignes, sachez qu'il en reste encore 11. Et je pense que quand la vidéo sortira, il y en aura certainement encore plus. Au travers de ces vidéos, bien entendu, on découvrira de plus en plus d'indices, et le mystère va petit à petit s'épaissir. Mais nous n'allons pas ici rentrer dans les détails de chacune, sinon la vidéo durerait des heures. Et de toute façon, cela ne sert à rien, car c'est encore un travail en cours, si je puis dire. Mais à côté de ces vidéos sachez-le il y a d'autres étrangetés qui vont émerger voici un bref résumé de ce qu'elles contiennent farahoni productions was founded in 1903 but the ideas at its core have been around for centuries emerging on the scene in italy as a sponsor for italian cyclist rodolfo mulla during the first tour de france cette vidéo nous montre une brève partie de l'histoire de la compagnie Pharaoné, basée en Italie, tandis que la suivante sera un témoignage de la personne derrière toutes ces vidéos. Il nous dit se voir plonger tranquillement dans une folie douce dont il ne peut se sortir, car trop absorbé par l'intrigue cachée derrière toute cette histoire. Mais au sein de ces vidéos, vous allez voir il y a quelques étrangetés qui vont émerger. En voici quelques petits exemples. Dans la vidéo Wine Tour, nous découvrons d'emblée à quoi référaient les nombres présents à chaque introduction de tableau dans le jeu vidéo. Ce n'était donc pas en fait des dates, mais juste des nombres qu'il fallait additionner et ou soustraire pour trouver un code qui nous servira plus tard. Nous découvrirons également qu'il existe apparemment un vrai site physique nommé Pharaoné mais que ce dernier est très probablement à l'abandon au vu des images que l'on voit. Mais est-ce que vous vous souvenez de la vidéo intitulée Message Received Vous savez, hein, c'est cette vidéo où notre personnage euh, est chez lui, quelqu'un frappe à la porte, il sort, il... Euh Suit la personne qui vient de frapper à la porte, entre guillemets, parce qu'on ne le voit en fait pas, descend des escaliers et se retrouve étrangement face à chez lui-même. Et bien notre personnage a demandé à son propriétaire les rushs de la caméra de vidéosurveillance de son immeuble pour voir s'il pouvait repérer la personne qui a frappé à sa porte. Et d'après lui, il a cru reconnaître la personne. Il nous dira qu'il s'agit de son ami Austin, ce fameux Austin, celui-là même qui l'avait envoyé dans un garage chercher dans un carton la vieille cassette VHS contenant les clips de. Gilbert Garfield. Mais là, il va se passer quelque chose d'étrange. Son ami Austin va le contacter via le compte Twitter de Gilbert Garfield. Et en parlant avec lui, il va lui envoyer une pièce jointe, une vidéo. Et nous préférons vous assurer que cette vidéo, vous n'allez pas la voir dans son ensemble, car elle est vraiment trash. En fait, même, je dois vous avouer que quand on l'a vue, on s'est demandé ce qu'elle pouvait bien faire sur YouTube. Grosso modo... Euh, la voici avec des parties floutées. On y découvre une nouvelle partie d'un épisode de Gilbert Garfield déguisé en docteur. Ce dernier s'approche d'une table d'opération et pratique des incisions dans le corps d'un politicien connu. Le tout sera entrecoupé de rushs contenant de la torture, du sang, des insultes... Enfin, euh, que du bonheur, quoi. Hein. Alors moi, en voyant cela, je me suis posé sincèrement une question. Pourquoi son ami Austin lui a envoyé un tel clip quel est son but en fait Car quand on regarde la vidéo, euh, mis à part être trash et hardcore, il n'y a vraiment rien de plus. On n'y apprend absolument rien. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de message caché. Pour moi, cette vidéo ne fait pas vraiment de sens. Hein. Elle, reste, euh, elle reste en suspens dans les mystères concernant Gilbert Garfield. Ouais, moi non plus, en fait, j'ai pas vraiment compris ça, surtout qu'on s'entend que normalement notre personnage est Austin sont censés être des amis à la base. Sauf que là, la vidéo n'a absolument rien d'amical. Bien au contraire, hein, avec euh, son côté hardcore, très trash, très violent, c'est plutôt étrange de la part d'un ami d'avoir envoyé ça à un autre ami. En fait, je me suis même demandé si Austin n'avait pas envoyé ça à notre personnage euh, pour quelque part le, le pousser vers la folie. Je sais pas, simple question. la vidéo suivante nous donnera un indice dont nous nous servirons plus tard il s'agit d'un mot de passe permettant d'accéder à une partie cachée d'un site mais le plus intéressant sera cette discussion entre dayeon le frère d'austin et notre personnage on y apprendra qu'austin travaille dans le domaine de l'animation mais également que ce dernier a été adopté puis nous aurons le droit à une petite visite de la chambre d'Austin, dans laquelle nous découvrirons une chronologie des événements. Sur cette chronologie, on y verra des mots comme euh, mort de Gilbert, sans savoir s'il fait ici mention du personnage fictif ou du personnage réel, hein, c'est-à-dire de l'acteur. On y verra également les mots euh, no alien, ou super soldat, ou encore pourquoi j'ai cassé mon ordinateur. Mais surtout, on va découvrir euh, comme trois grandes lignes, trois grands chapitres que sont la partie 1, solitude. La partie 2, peur. La partie 3, mort. Alors, personnellement, en voyant ces, ces trois grandes parties, je me suis demandé en fait s'il ne s'agissait pas de la vie de notre personnage, d'une représentation de la vie de notre personnage. Et quand je parle de notre personnage, hein, je parle de la personne ayant créé la chaîne YouTube. Est-ce que son ami Austin, par exemple, par hasard, ne souhaitait pas euh, que cette personne vive ces trois chapitres Comme si tout cela n'était qu'un plan. C'est-à-dire, d'abord, il isole son ami. Ensuite. Il lui induit la peur, d'où peut-être cette fameuse vidéo assez bizarre, assez trash, hardcore, pour enfin finir par le tuer. Je sais pas, c'est une simple spéculation, mais c'est à garder en tête. En effet, pourquoi pas, c'est une spéculation, c'est une idée, une théorie. Mais il y a un autre point dans cette vidéo qui est intéressant, c'est que lorsque notre personnage approche de la chambre d'Austin, les appareils d'enregistrement se mettent soudainement à glitcher. Comme s'il rentrait dans une sorte de vortex, comme s'il si passait dans un autre monde. Eh bien ma foi, toi aussi je vois que quelque part t'as as, as l'idée, mais là je pense, je pense qu'on s'égare un petit peu. Continuons. Lors de sa visite dans la chambre d'Austin, notre personnage découvrira une caméra et partira avec. Dans cette dernière, on découvrira qu'Austin suivait, semble-t-il, une sorte de formation offerte par la compagnie pharaonée. Et oui, encore cette fameuse compagnie. Mais le plus étrange viendra à la fin, lorsque nous comprendrons que Pharaoné est à la base de la création de Gilbert Carfield, mais également de deux autres étranges personnages, une certaine Wendy Buchanan, ou Buchanan, ainsi qu'un certain Oyster Boy. Mais bizarrement, dans la vidéo, à chaque fois que notre personnage en arrive à regarder ce passage, Eh bien, la caméra s'éteint et ne veut plus redémarrer. Alors, en ce qui concerne les vidéos sur la chaîne YouTube, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, car il y en a encore. Mais comme ces dernières sont toujours en cours de narration, ça ne sert à rien de les analyser, en fait. On va juste commencer à extrapoler sur certaines choses sans avoir d'indices assez conséquents euh, au bout du compte pour pouvoir en déduire quelque chose. De ce fait, on va laisser l'histoire de la chaîne Gilbert Garfield avancer et plus tard, dans quelques mois, je reviendrai dessus dans une vidéo retour en arrière. Sachez juste, au passage, qu'il existe des personnages supplémentaires qui vont s'ajouter à cette histoire, comme Raphaël Cusax, dont le nom apparaît ici, dans la vidéo nous montrant l'emplacement physique de la compagnie pharaonée, puis nous découvrirons un autre personnage vraiment curieux, Christy Vaginas, un personnage très mystérieux, au dessin incertain, et enfin, incertain, Greg Truth. Greg, dont nous allons parler, un peu plus tard car lui par contre il a beaucoup plus d'importance que les autres. Enfin jusqu'à présent. Maintenant, il est temps de passer un petit peu plus de temps euh, sur les autres mystères entourant Gilbert Garfield. Restez avec nous, vous allez voir que vous êtes très loin d'avoir tout vu. Depuis le début de cette vidéo, plusieurs fois nous avons fait mention euh, de cette compagnie pharaonée on vous a indiqué que ce mot provenait de l'italien et signifiait en français pharaon nous savons également au passage que pharaonée est en fait une compagnie et que cette dernière est certainement à la base de la création de gilbert garfield ça c'est ce qu'on a vu dans le jeu vidéo c'était la conclusion en fait des six vidéos concernant le jeu vidéo gilbert garfield maintenant euh, on va faire un petit retour en arrière hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin d'une des vidéos, il nous était présenté une adresse, euh, une adresse de site internet. Celle-ci. Et cette adresse de site internet, eh c'est tout simplement le site de la compagnie Pharaoné, sur laquelle nous allons faire bien entendu un petit tour. Une fois arrivé sur le site de Pharaoné, on s'aperçoit que quelques menus sont cliquables, mais que seuls deux d'entre eux nous mènent quelque part. D'un côté, nous avons la page « About Us » ou euh, à propos, la fameuse page à propos en français. Et de l'autre côté, on a un Wine Tour. Sur ces deux pages, des liens protégés par des mots de passe s'ouvrent sur des vidéos que l'on connaît déjà. For en fait, euh, les fameux mots de passe et ces fameuses vidéos que l'on découvre sur le site internet pharaoné sont déjà présents, eux, sur la chaîne YouTube. Car le créateur de la chaîne, via son compte Twitter, via les commentaires sous ses vidéos ou également via Reddit, nous fait participer à ses recherches. Et ça, on ne vous l'avait pas encore dit. Enfin, plus ou moins, on en avait un peu parlé un peu plus tôt. Ainsi, nous participons activement et en temps réel au mystère Gilbert Garfield. Et ça, quelque part, on trouve ça on trouve ça, nous deux assez, assez mal. Et bien, justement, Alter, est-ce que tu peux un petit peu nous éclairer là-dessus en nous expliquant en quoi les internautes comme toi et moi euh, sommes utiles là-dedans Eh bien, comme nous l'avons déjà vu, il arrive parfois que la personne ayant créé la chaîne se retrouve bloquée, comme, comme ici, souvenez-vous. C'est là que cette fameuse Magical Luna a permis de comprendre que la carte SD au format .mfr était en fait un format .nes via l'indice donné dans l'une des vidéos. Il explique également ici... Comment un autre compte Twitter l'a aidé à trouver le code 5838 pour ouvrir l'une des pages se trouvant sur le site de Pharaonet L'autre code de Pharaonet, lui, a également été suggéré et se trouvait ici. Vous vous souvenez, dans cette fameuse page d'introduction du jeu vidéo, je crois que c'était au tableau Thursday, ou Tuesday, je crois que c'était Thursday, il s'agissait du code OOG-GOO. Et c'est ainsi, donc, à plusieurs reprises, notre personnage mystère que l'on ne connaît toujours pas se fera aider par les internautes nous rendant ainsi acteurs de ces recherches. Ah, merci Alter hein, pour ces précisions. Mais maintenant, il y a une question que l'on pourrait se poser. Vu que les vidéos qui étaient cachées sur le site de Pharaoné se retrouvent actuellement sur la chaîne YouTube, reste-t-il un mystère qui n'est pas encore été dévoilé Eh bien, euh, je vais donner tout de suite la réponse, car la réponse est oui. Il y a une énigme, celui du texte de... <truits> Le voici en plus clair. Et sur ce dernier, plusieurs indices sont donnés concernant entre autres les deux personnages qui sont encore en cours de développement au moment où nous enregistrons cette vidéo. Je veux parler de Raphaël Dussax et de Christy Vachinas. Et vu que tout cela est encore en développement, eh bien nous allons laisser cette petite partie de côté pour une autre vidéo future. Mais ne pensez pas que tout cela s'arrête là, ça serait trop facile. Il y a encore... Euh... Il y a encore plusieurs détails qu'il nous reste à vous dévoiler. En observant le compte Twitter consacré à Gilbert, on remarque de suite une chose, c'est qu'il ne suit qu'un seul autre compte, celui d'un certain Greenly. Alors, je ne sais pas encore si tout cela a de l'importance, mais j'ai trouvé intéressant de voir que ce fameux compte Grintly euh, était lui antérieur, avait été créé avant celui de, celui de Gilbert Garfield enfin du propriétaire de la chaîne YouTube qui a créé le compte Twitter Gilbert Garfield. Et ce fameux Greenly va nous ouvrir de nouveaux horizons, agrandissant considérablement le mystère tournant autour de Gilbert. Et par extension, autour de la compagnie Pharaonée, ainsi qu'autour du créateur de la chaîne YouTube, hein, qui, on vous le rappelle, reste pour l'instant toujours un total inconnu, alors que c'est lui qu'on suit. Alors nous n'allons pas rentrer ici dans tous les détails, hein, encore une fois, et c'est exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Mais sachez que le compte Twitter va nous mener, lui, vers une page internet via un retweet euh, présentant un compte, celui de Joshua Graham. Et oui, encore un nouveau personnage. De ce fameux Joshua, nous ne connaissons à l'heure actuelle absolument rien. Par contre, le site qu'il nous partage est à lui tout seul un nouveau rabbit hole. Ce site s'appelle Greg Truth. Et euh, dès qu'on va sur ce dernier, on comprend qu'il existe un lien entre lui et l'histoire de Gilbert Garfield. Une autre preuve du lien entre ces deux entités nous est présentée ici, dans le contenu de la chaîne YouTube de Greg Truth. Euh, Voyez-vous même. Mais sur le compte de Grintley, existe encore un autre lien, ici. Et ce fameux autre lien va nous mener encore une fois vers un autre site internet. Décidément, on ne s'arrête plus. Sur ce site, on voit encore qu'il existe clairement un lien avec l'histoire de Gilbert Garfield ainsi qu'avec Greg Truth puisque cette vidéo provient directement de la chaîne YouTube de ce dernier. Par ailleurs, c'est là que nous découvrons la vraie identité de la personne derrière, euh, derrière ce pseudonyme, Greg Cruz, il s'agit de Gregory Bragan. Et ce dernier paraît tout autant fasciné par la série télévisée Family Guys que son site paraît parfois se dédier à Gilbert Garfield. Et voilà. Voilà en gros euh, qui fait un peu le tour, qui présente un peu l'ensemble du mystère qu'il tourne autour de Gilbert Garfield. Partant donc de quelques clips retrouvés sur une vieille cassette VHS, nous en sommes arrivés à entrer dans un monde dont le contenu s'est extrêmement étoffé avec le temps. La liste des protagonistes s'agrandissant peu à peu, ainsi que les lieux de recherche que sont par exemple, que pourrait être en tout cas le site physique de Pharaoné, le site internet de cette même compagnie, voire les autres sites internet présents à côté. Sans oublier, ça c'est important, les comptes Twitter. Beaucoup de choses ici sont mises en place dans cet ARG, qui pour l'instant n'a pas encore trop fait parler de lui, mais je suis quasiment sûr qu'à un moment ou un autre, il ne pourra pas laisser indifférents les passionnés du genre. Mais dis-moi, Alter, aurais-tu une petite théorie sur cet ARG par hasard Ah oui, j'ai bien ma petite idée, mais comme il manque beaucoup d'éléments, il est certain que toute théorie exposée sera sûrement caduque d'ici à quelques mois. Toutefois, quelques points semblent se dessiner et s'enraciner dans le temps. Par exemple, nous sommes. Quasiment sûr, certains voire à 100%, que... que le personnage Gilbert Garfield a bel et bien été créé par la compagnie Pharaoné. Que ce soit le jeu vidéo ou bien les fameux clips que l'on voit sur la VHS qui devaient être à la base sûrement des épisodes complets. Ce que nous ne savons pas par contre, c'est pourquoi ils ont créé cela. Mais on pourrait peut-être s'en faire une idée. Euh, car notre héros, à plusieurs reprises, se plaint de maux de tête suite au visionnage des produits Gilbert Garfield créés par Pharaoné. Se pourrait-il alors que. Le jeu vidéo ainsi que les épisodes animés soient comme des armes utilisées pour mettre à mal un quelconque ennemi Simple spéculation. Alors, comme on vous l'a dit au début, hein, bien entendu, cet ARG nous apporte beaucoup plus de questions que nous n'aurons de réponses, car tout cela est encore en cours de développement. Mais nous espérons vous avoir permis de mieux comprendre l'ensemble de cet ARG ainsi que, que, que l'ampleur qu'il peut prendre sur Internet. Quant à sa portée euh, réelle, seul l'avenir nous le dira. Mais avant de vous quitter, moi, je voulais faire un dernier point sur un truc dont on ne vous a pas parlé du tout. Ou très peu, parce que plusieurs fois, on vous a dit qu'on ne le connaissait pas. En fait, c'est notre héros, c'est la personne qui a créé le compte Twitter ainsi que la chaîne YouTube. Eh bien, eh bien, qui c'est, en fait Oui, c'est vrai qu'en fait, on n'a jamais utilisé de nom, de prénom ou de pseudo. En fait, on dit toujours la, la personne, la personne, en parlant de la personne qui se trouvait derrière les comptes, mais on ne sait pas du tout de qui il s'agit. Eh bien, il se pourrait que son prénom nous soit subtilement donné dans cet extrait vidéo vers la fin lorsque Diane nous montre le caméscope qu'il a trouvé dans la chambre de Austin sur ce caméscope il y est inscrit assoiffé max et en effet si on admet que ce caméscope lui était indirectement destiné cela voudrait dire qu'Austin nous donnait ici le prénom du personnage derrière la chaîne youtube et que son prénom ça serait Max pourquoi pas en effet pourquoi pas? Cette vidéo est maintenant terminée. Nous espérons, Alter et moi-même, que tout cela ait été assez clair pour vous. Nous vous conseillons d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Gilbert Garfield, sur la chaîne YouTube, et d'aller voir les vidéos de vos propres yeux. Vous allez voir, c'est complètement taré, hein il y a beaucoup d'absurdes dedans. Nous vous remercions euh, d'être abonnés à notre chaîne. Nous remercions les personnes qui ont souscrit à la chaîne, c'est elles qui nous aident en partie financièrement. C'est vraiment très gentil de votre part. N'hésitez pas à partager en commentaire vos théories. Hein. Nous on lit tous les commentaires et on y répond. Ça me fait, ça me fait toujours beaucoup plaisir. N'oubliez pas euh, partager si vous avez apprécié le contenu, le like, toujours très important, allez sur ce. En tout cas, bye, ciao. Et à la prochaine. Ouais. Ciao, bye.